On est reparti sur de la simplicité, sur retrouver des bases de notre jeu qui ont fait notre force, retrouver un peu de plaisir aussi, d'enthousiasme, parce que j'ai le sentiment que les garçons ont un peu une baisse de confiance en eux, pardon. Et voilà, il faut rebooster tout ça. On n'est pas devenu de mauvais joueurs en 15 jours, c'est pas vrai. Il faut qu'on retrouve ce talent et cette volonté d'imposer plus que de subir. Les courbes se croisent un peu, les courbes se croisent des deux équipes. L'objectif, ça va être de faire un très gros match de rugby, montrer autre chose que ce qu'on a pu faire ces deux dernières semaines. Et voilà, on sait que ça sera une grande bataille compliquée pour nous. Mais voilà, il faut relever pardon, constamment les défis et vouloir tout mettre à chaque sortie, comme on le fait à chaque fois. Perpignan est redoutable. Est une équipe redoutable en ce moment, mais malgré tout, je reste persuadé qu'on a certaines armes. On a été capable de le faire ici, il faut qu'on soit capable de rehisser notre niveau de jeu pour pouvoir espérer dans ce match quelque chose, quoi, tout simplement. Il faut redonner de l'énergie au groupe, il faut se prouver des choses, hein, et y aller, de toute façon, on n'a rien à y perdre là-bas, je veux dire. Aujourd'hui, c'est une équipe redoutable, comme tu l'as très bien dit. Voilà, il faut y aller pour s'expliquer aussi, tu vois, parce que sinon, à quoi ça sert de jouer au rugby? Pas grand-chose. Ouais, enfin, on discute, c'est la première fois qu'on discute quand même, hein, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, on a réorienté des choses vers de la simplicité pour retrouver un peu pour se rassurer, pour faire remonter un peu la confiance et voilà, on a parlé de ces choses-là. On cherche les solutions ensemble et on les trouvera ensemble. On a laissé samedi et dimanche aux joueurs parce que ça fait très très longtemps qu'on n'a pas eu 2 jours consécutifs. Ça fait 10 semaines qu'on n'a pas eu 2 jours consécutifs de repos où les mecs ils pouvaient vraiment un peu souffler, régénérer aussi en famille parce qu'aujourd'hui on a besoin de ça. Parce que mentalement, c'est dur, surtout avec l'intensité des matchs, l'accumulation des résultats, où on met beaucoup, beaucoup d'énergie pour pas grand-chose, en fait, comptablement. Donc voilà, et après, on s'est concentré vraiment à l'essentiel pour Perpignan. La suite, je pense qu'on a 10 jours derrière de vacances. Hein. Avant le sprint final, il y a une dernière échéance, et quelle échéance? Parce que si tu m'as mis une fleur au fusil, ça va chiffrer quand même. Voilà, et c'est pas l'objectif. Les discussions avec le président, elles sont personnelles. Comme je te l'ai très bien dit, tu m'as tendu une petite perche à la fin du match. Tu as son numéro, tu peux le joindre directement, il n'y a pas de problème. Non, mais par rapport au match, j'ai pas fini. Est-ce que le programme vous a mis une pression? Je t'ai répondu. Il y a des joueurs usés. Il y a des joueurs frais physiquement et mentalement et qui vont amener de l'énergie, je pense. Il y a surtout des joueurs qui s'entraînent dur depuis 2 jours malgré tout. Et j'ai décidé de repousser l'annonce de la composition d'équipe à demain pour bien poser les choses. On s'est entraîné lundi, on devait annoncer la composition mardi matin. Donc ce matin, avant l'entraînement, j'attendais vraiment cet entraînement pour pouvoir bien le débriefer avec mon staff pour faire le choix des hommes pour Perpignan. Et pour moi, ça me semblait important de ne pas se précipiter par rapport à ça. Aujourd'hui, on a besoin de l'énergie de tous et de faire des choses de qualité avec de l'intensité aussi. Et pour ça, il faut garder les mecs. Voilà, mais aussi parce que c'est une vraie volonté sportive de sentir les choses, quoi. Parce que là, il faut y aller, quoi. Je mettrai l'équipe qui, je pense, a la plus grosse capacité de ramener des points en termes de forme du moment, en termes d'énergie du moment aussi, de batterie, on va dire, parce qu'il y en a qui ont joué beaucoup sur ce bloc-là. Malgré tout, on a joué vendredi, jeudi, donc dans un espace temporel très très court. Tous les joueurs qui s'entraînent postulent. Et je pense que par rapport à ça, j'ai une notion de justice sur les compositions d'équipe. Et c'est pas parce que tu es vieux ou que tu as de l'expérience que tu as le ticket. C'est pas vrai. Voilà, il y a des sensibilités par rapport à des stratégies, par rapport à des formes du moment, par rapport à des pressions aussi. Je vais tout mettre à plat vraiment cet après-midi et collégialement avec le staff pour prendre les bonnes options ou celles qu'on pense être les bonnes.